Léon, hey Léon, comment allez-vous, Arlette? Voici Léon, il est tailleur. 14 essayages, ça commence à faire beaucoup, non? C'est un tailleur consciencieux. Il a une sœur, Marie qu'elle s'appelle. Il l'aime bien, sa sœur. Ta sœur, toujours en carte? Les cartes et la bricole, ça fait deux. Bah, les tarots, c'est des cartes, non? Quelles cartes? Il aime bien aussi Maxime, son beau-frère, ou presque. C'est pas un bourreau de travail, Maxime, mais c'est un marrant. Alors, patate, on prend le frein? Maxime. C'est comme tu veux, oui. Non, ça va pas comme je veux. Qu'est-ce qui va pas? Pardon, t'aimes plus, hein? Oh, c'est pas l'heure de déconner, Maxime. Mais y a pas d'heure pour les braves. Pour les braves, je dis pas, mais... pour les cocus. Pour les quoi? Bref, Léon se la coule plutôt douce, jusqu'au jour où l'imprévu vient frapper à sa porte sous les traits de... Kaspera Aristophanopoulos Et l'amour sous les traits d'Arlette. Maria Nation, c'est ici? À partir de cet instant, Léon ira... Hé, Léon! Au corico! Oh, qu'est-ce que vous faites là, vous? Oh, Christem, oh, Christem, oh, Christem! Que l'heure est-il, hein? J'ai un avion, moi! Que l'heure est-il, je t'ai dit? Je vous parle pas d'avion, je me demande ce que vous faites là! D'abord, qui cause? Qu'est-ce qu'ils sont bleus, vos yeux? Ils sont pas bleus, ils sont marrons. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont pas noirs. C'est vulgaire, les yeux noirs. C'est vrai ce qu'il dit, monsieur Maurice? Il dit quoi? Il dit qu'Arlette et toi... Ce qui me tue chez les gens, c'est qu'ils pensent que pognon, boulot, business, il y a autre chose, non? Oui, il y a autre chose. L'amour, par exemple. Cet amour qui mène parfois au pire déchaînement. Alors, tous les types qui viennent, c'est... Eh oui, Léon. Attention, Léon. Il y a des mystères qu'il vaut mieux ne pas essayer d'approfondir. Claude Melki, la grande révélation comique de l'amour, c'est gay, l'amour, c'est triste, se hausse du premier coup au niveau des plus grands. Jean-Pierre Marielle, par exemple. Tout ça, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'on va en faire, hein? Quand mes copains les corses, ils ont refroidi mon moule à lessive. Oh, tes copains, va donc, banane. Ils en ont fait quoi, Maxime? Ils l'ont coupé en petits bouts. Ils ont écoulé aux eaux. Un petit bout au tigre, un petit bout au lion. Ne vous inquiétez pas, nous, à Morlaix, on n'est peut-être pas des Marseillais, mais de la dire qu'on est des Belges... Elle est bien, cette petite môme-là. Oui, elle est bien. Laissez-moi faire. Elle est même très bien. Eh ben, ta jeunesse, hein, ta qui n'a pas encore servi la fleur de tes rêves, hein, eh ben, elle vient de se la faire. Mais se la faire quoi? La malle. C'est pas vrai? Les vendanges, à Morlaix, en avril. C'est quand même mieux qu'à Morlaix, hein? Ah oui? Une fois, j'en ai gagné 47 d'affilée. T'es camé, Léon. Oh, des aventures. Je dis pas que j'en ai pas eu, mais de la dire que je suis coureur... Vous savez, le faux fesse, c'est pas mon truc. Bon, Léon. Quoi encore? Cache ta joie. Et Léon! Tu boirais pas une petite larmiche avec nous? Non. Malheureux au jeu! Heureux. Hé, hey, Toscanini! À nous, les concertos! Je vous emmerde.